Évaluer les besoins pour la réussite du Forum économique Guinée-Côte d'Ivoire 2013, c'est l'objectif de la mission de prospection économique que le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPTIC, a effectué à Conakry pendant 4 jours. Les acteurs du secteur privé et parapublic ivoirien ont rencontré les acteurs clés de l'économie guinéenne. Ils ont parlé des investissements prévus par l'autorité guinéenne pour les 5 années à venir, ainsi que leurs projets sectoriels. De ces échanges ont découlé plusieurs accords, notamment sur les marchés publics et les conditions de réalisation des transits des marchandises. Pour le directeur général du CEPTIC, Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire, cette mission a été nécessaire pour le comité d'organisation du Forum économique Guinée-Côte d'Ivoire. Je lancerai un message de mobilisation très forte du secteur privé aux côtés donc de la PIP pour pouvoir permettre une grande mobilisation des acteurs, une participation effective pour qu'on fasse de ce forum une cérémonie très grandiose, bien sûr pour la visibilité de la Guinée, mais surtout pour la synergie d'opportunités d'investissement qui existent entre les deux pays. Le port autonome de San Pedro, le Bénet, la Sodémie, le Conseil Café Cacao, la Chambre nationale d'agriculture et la Petrosi ont pris part à la mission sur Conakry, mission qui sera sanctionnée par la tenue d'un forum économique au premier trimestre de l'année 2013.